Nous sommes le vendredi 1er mars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre vos prévisions météo, avec aujourd'hui de nouvelles perturbations attendues, les nuages vont dominer cette journée. Mais du soleil est tout de même attendu par moment, quelques petites éclaircies ici ou là qui parviendront à percer au cours de la journée. Globalement, le temps devrait rester sec, même si localement, quelques légères averses sont possibles. Côté température, cela reste doux pour la saison. 11 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. Pour démarrer cette édition, on va d'abord prendre des nouvelles des salariés d'Ascoval, l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord, en redressement judiciaire depuis plusieurs mois, et que l'on croyait sauvé par le projet de reprise du groupe franco-belge Altifort. Mais en début de semaine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'Altifort ait été écarté du projet faute de financement. Et mercredi, c'est le tribunal de Strasbourg qui a confirmé l'annulation du projet de reprise. Aujourd'hui, les 281 salariés d'Ascoval attendent donc de savoir si la région Hauts-de-France et l'État vont pouvoir trouver un ultime repreneur. La justice leur a laissé un mois jusqu'à la prochaine audience le 27 mars pour donner des garanties. Explication avec un responsable syndical hier matin à Saint-Saulve, sur place, au micro de Xavier, de Vincent Vieillard. Forcément, nous, côté syndicat, on est obligé d'y croire. C'est notre rôle quand même d'y croire. On y croit toujours. Et par contre, au niveau des salariés, c'est compliqué. Très compliqué. Ils se sentent floués, trahis. C'est une résignation qui s'installe. Et pour nous, on n'arrive pas à trouver les bons mots pour leur expliquer. Là, on va essayer de leur expliquer tout à l'heure, mais c'est dur de trouver les bons mots parce que on a joué avec nos sentiments, nos émotions. C'était des montagnes russes. Hein. Pendant une année, on pensait qu'on était mort, on a retrouvé quelqu'un, après c'était mort, là on a retrouvé quelqu'un, ça a été acté, et là il n'y a plus rien. Imaginez-vous, hein, chez les familles, les femmes et les hommes, c'est très compliqué au niveau des... Je ne sais pas, en France, si une entreprise a vécu ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas. Pour la quatrième année consécutive, le nombre de dossiers de surendettement est en recul dans les Hauts-de-France, moins 8,4% dans le Nord, précisément selon la dernière enquête publiée par la Banque de France. La région reste toutefois la plus touchée par le surendettement, 462 dossiers pour 100 000 habitants contre 305 en moyenne en France. Une situation qui s'expliquerait par une conjoncture économique moins favorable et un taux d'inactifs plus important, des ménages ou des personnes seules dont les ressources sont insuffisantes. Depuis quelques mois, tout de même, une plateforme téléphonique est allée, c'est dans la région. Elle reçoit jusque 450 appels par jour de personnes inquiètes de leur situation financière. Le numéro, c'est le 03 20 91 20 20. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. On a aujourd'hui une plateforme qui couvre l'ensemble des Hauts-de-France. Toute personne qui veut prendre contact avec nous peut appeler un numéro unique. Elle tombe sur une plateforme qui est ici installée à Lille, dans nos locaux à Lille. Et on a un taux de décroché qui est extrêmement élevé, qui est au meilleur niveau des plateformes téléphoniques. On est au-delà de 80% de décroché au premier appel. On a aussi des procédures de callback, ça veut dire qu'on rappelle les gens quand on n'a pas pu décrocher au premier appel. Et on a aussi mis en place un chat, mais pas un chat avec un robot, mais un chat avec nos agents qui peuvent donc chatter en live avec les demandeurs qui ont des questions à nous poser sur le droit au compte, les fichiers ou le surendettement. C'était hier la journée mondiale sans Facebook, le réseau social le plus populaire au monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, 33 millions en France. Mais la moyenne d'âge de ces profils augmente, progresse de plus en plus, elle est aujourd'hui de 40 ans. Un phénomène qui s'explique par la montée d'autres réseaux tels que Snapchat ou Instagram. Facebook serait-il donc devenu ringard ? Élément de réponse avec Margot Sey en plateau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Mais les 33 millions de Français présents sur la plateforme ont-ils réellement besoin d'une journée pour s'en détacher ? C'est la question que l'on a posée à ces étudiants de l'Université de Lille. Oui, je pourrais passer une journée sans Facebook, pas de problème. Ah oui, tout d'abord, je l'ai déjà fait après. Hein. Je veux dire, je le consulte régulièrement, mais s'il faut ne pas y aller, je peux très bien ne pas y aller. Aujourd'hui, le matin, les étudiants ou même les personnes en général souvent se lèvent et regardent tout de suite les notifications qu'on a sur notre téléphone. Et ils ne croient pas si bien dire, puisque selon une étude du Pew Research Center, 48% des 18-34 ans ont pour premier réflexe au réveil de se connecter sur le réseau. Toujours d'après cette étude, un utilisateur se rend en moyenne 14 fois par jour sur la plateforme. Pourtant, la proportion des adolescents de 12 à 19 ans inscrits sur Facebook a dégringolé en 4 ans, passant de 78% en 2014 à 52% en 2018. Mais alors, on en vient à se poser la question, Facebook est-il devenu ringard ? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé depuis plusieurs années.
Après, on peut voir que, par exemple, beaucoup de personnes utilisent Instagram, etc. Au niveau de mon entourage, il y en a beaucoup qui disent qu'ils utilisent beaucoup plus Instagram, par exemple. Mais après, je pense qu'au final, tout le monde a encore Facebook aujourd'hui et l'utilise quand même. Certaines personnes le disent que Facebook, il faut arrêter de l'utiliser, que c'est ringard. Je pense qu'aujourd'hui, si on l'utilise de la bonne façon, c'est pas ringard. Diffusion de fake news, contenu violent, raciste ou homophobe, Facebook a depuis quelques années essuyé de nombreux scandales. De quoi ralentir la consommation des plus jeunes sur la plateforme. Il y a des limites de ce qu'on a pu voir avec les derniers scandales vis-à-vis de toutes les données qu'ils récupèrent sur leurs utilisateurs et de ce qu'ils en font aussi. Parfois, il peut y avoir des contenus parfois racistes, antisémites et qui, moi, me posent un réel problème. Désormais, l'âge moyen des utilisateurs de Facebook est de 40 ans. Mais en 2013, Mark Zuckerberg affirmait déjà que les plus jeunes s'intéressaient à d'autres produits semblables à Facebook. Un problème qui n'en est pas un pour l'ancien étudiant de Harvard, puisqu'il a successivement racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Alors à quand la journée sans réseaux sociaux ? On enchaîne dans ce journal tout autre chose. Le coup de gueule du président de l'association Les Flonfons de l'Accordéon à Lille. Depuis plus de 20 ans, Éric Paul et ses équipes organisent notamment le festival Oisem, l'accordéon rayonnant dans la métropole lilloise. Mais ces dernières années, l'association doit faire face aux baisses répétées des subventions de la MEL. Et ce, sans explication. Le président explique pourtant être ouvert aux discussions. Il aimerait pouvoir parler aux élus, aux responsables de l'agglomération, mais n'a aucun retour de la MEL. Quant aux baisses des financements, aujourd'hui, il n'y a pas non plus de quoi être inquiet pour l'avenir du festival, mais Éric Paul aimerait mettre les choses au clair. On l'écoute au micro de Margot Sailly. Cette subvention qui est aujourd'hui, ça représente 25 000 euros de manque à gagner sur le budget total du festival. 25 000 euros, c'est pas n'importe quoi. D'autant que par rapport à ce que je disais précédemment, on touche une population qui est métropolitaine. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas une déclaration de guerre. Moi, je veux discuter avec la MEL. J'arrive pas à avoir une discussion avec la MEL, avec la vice-présidente de la MEL chargée de la culture. On va avoir cette discussion, voir trouver une issue positive, et pourquoi pas, s'il y a des choses qu'ils nous demandent à faire, ou des attentes culturelles, discutons-en. Hein. C'est la concorde plutôt que la discorde. Je crois que cette année, on aura une très belle édition du festival, malgré tout. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.